Surprise! Moi, je sais que vous êtes ému. Voici votre piscine, n'ayez pas peur. Je vous ai dit qu'il n'y a pas un souci. Il n'y a pas un souci. Quand vous me gérez un truc, c'est pas aujourd'hui qu'on gère les trucs. Eh, Amoud, c'est pas aujourd'hui que vous me donnez les charges. Ça va bien. Voilà. Non, la brousse, c'est un petit peu. On va terrassiner. J'ai commandé 4 engins. 4 engins. Comme vous voyez ici, là, le chapiteau aussi. C'est comme ça un château. C'est un château. J'ai deux. Que c'est la, ça, la forme de monument en Égypte là. Tu vois un peu, donc c'est pour les grottes. Il n'y a pas un souci. Venez pas ici. Merci. Tenez-vous tranquille, il n'y a pas de problème ici. Je vous ai dit qu'il n'y a que moi et mon grand frère Harry Cobbins. Nous gérons les situations ici au village. Eh, madame, 100% étonne. Soyez tranquille, même si elle est morte, on va gérer. Eh bien, mon ami, tu ne respectes pas les morts. Qu'est-ce qui a tombé des gens? La tombe. Ah, désolé, je m'excuse. Dernièrement, pendant le chantier, il y a les gens qui sont morts là. Il y a eu un glissement de terrain pour enterrer certaines personnes. Donc nous avons décidé de les enterrer, comme vous voyez les mots de terre là. Mais monsieur, ils n'ont pas de village. Pourquoi vous les enterrez sur mon terrain, monsieur? Juste, c'est parce que non, comme tu vois là, ils sont morts sur votre terrain. Et puisque c'était nos employés, nous avons décidé de les enterrer là. La famille a décidé que c'est nous qui vont prendre les choses en main. Donc j'ai préféré les enterrer là. Mais tenez-vous tranquille, c'est moins grave. Eh, hey, madame, 100%, c'est un petit problème. Dès qu'ils vont pourrir, on enlève les os et puis on vend. C'est un autre business. Suivez-moi. Mon ami, je ne veux plus te voir ici. Hein. Tenez-vous tranquille. Nous, on a toutes les méthodes pour trouver de l'argent ici. Là. Je ne fais pas seulement dans la vente des terrains et trucs. Je fais aussi là, le trafic des eaux. Vous savez, les 70 millions qu'on m'avait donné, ça n'a pas suffi. J'ai vu que c'était mieux de commencer par un truc utile. Vous voyez un peu comme nous sommes en saison pluvieuse et qu'il fait trop chaud. Il fait chaud en saison pluvieuse. Hein? Bon, en fait, ici chez nous au Cameroun, c'est comme ça. Le climat fait ce qu'il veut. Mais monsieur Waza, vous pouvez passer par ici. Comment vous nous faites contourner là-bas? Quelle histoire ça? Madame, vous venez des États-Unis. Ici au quartier, si on sait que vous venez de là-bas, on va vous agresser. Donc je préfère qu'on prenne des raccourcis pour votre sécurité. Vous voyez un peu. Donc comme je disais tantôt, j'ai commencé par votre piscine parce que madame a insisté. Suivez-moi. Voilà, comme je vous disais tantôt. Surprise! Moi, je sais que vous êtes ému. Voici votre piscine, n'ayez pas peur. Comme vous pouvez... Les mesures sont bien réglementaires. Comme vous pouvez constater, c'est une piscine. Oh non! C'est quoi ça? Justement! C'est quoi ça? Comme je vous disais tantôt, j'ai commencé par la piscine. Pour que vous n'ayez pas de soucis. Donc comme il fait chaud, de temps en temps vous êtes dans l'eau. La taille de l'eau, c'est pas un souci. C'est quoi ça? Vous voyez là-bas, non? C'est le château là qui alimente cette piscine. Quand je pompe là-bas l'eau, voilà. Donc madame, vous pouvez vous asseoir, vous mettez juste les pieds. Et ici, ça c'est la fleur marguerite. Donc de temps en temps, ça soigne aussi la typhoïde, machin. Et même si c'était une piscine, est-ce qu'on allait suffire ici? C'est quoi l'histoire ça? Très bonne question. Ça c'est pour monsieur. Le tenant, venez voir pour vous. Venez par ici, suivez-moi. Je suis le guide. Attends un peu. Je ne sais pas. Encore fuite. Vous les serpents sorciers qui venaient ici déranger les gens, je vais vous tuer. Il y a les serpents ici. Oh, il y a les serpents. Il y a les serpents. C'est la nourriture. Nous, on mange ça. Tandem. Chose promise. Entre cette piscine et soi-disant piscine et l'autre, il y a la différence. Non, il me fatigue. Celle-ci, c'est la piscine femelle. Voilà la piscine mâle là-bas pour votre mari. Ça, c'est pour vous. Comme vous pouvez voir, j'ai tenu à ce que les mesures soient équilatérales. Équilatéraux. Bon, bref, même mesure que celle-là. Donc, étant ici, vous pouvez voir votre mari en face et puis vous lancez les bisous. J'ai tenu compte de tout ça. C'est un petit problème. Cerise sur le gâteau. Voici la piscine des enfants. Vous savez ce que vous ratez? Là-bas, il y a les tétards et les grenouilles. C'est-à-dire que vous pouvez frire ça et manger de temps en temps pour les enfants au cas où. Il n'y a pas de souci. Bon, bref, si vous ne voulez pas, évoluons. Mais là, je ne vois pas la maison. Où est la maison? J'ai commencé par les piscines.
Mais monsieur, vous avez fait comment avec l'argent que je vous ai envoyé? Monsieur, ne me grondez pas. Vous avez fait quoi? Ce n'est pas en me grondant que l'argent. C'est pas à moi de vous gronder. Je continue. C'est pas à moi de vous gronder. Vous savez combien vous avez envoyé? Mon ami, ce sont des millions. Des millions. Mais monsieur, vous êtes malade. Vous savez comment souffre un héros? Attends, vous savez comment souffre un héros? L'enfant! Ils ont tué con, mais le king est là. Eric le retour, je suis unique en mon genre. À 1000 francs je tape, à 2000 je blesse, à 10 000 je tue. Est-ce que tu veux tuer? C'est mon petit. Action! Action! Waza, je suis avec toi, action bro! Parce qu'actuellement, ils sont en saison plus vieille. Hein? Je n'ai pas de te prendre pour femme. Est-ce que tu peux me doter? Tu vas faire quoi? Assez, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Assez, tu vas faire quoi? C'est ta maman qui m'a...